joue au rugby pour jouer face à ce genre d'équipe, face à ce genre de joueurs. Voilà, je ne vais pas refaire la liste des grands joueurs qu'ils ont dans cette équipe à tous les postes. Donc voilà, comme j'ai dit, quand on joue au rugby, on joue pour ce genre de match et on a la chance de pouvoir le jouer vendredi soir. On va jouer dans un grand stade, à guichet fermé. Je pense qu'il va y avoir une super ambiance, donc la veille de Noël. Donc il y aura tout pour toutes les conditions présentes, voilà, pour profiter d'une telle atmosphère, d'un tel match de rugby face à une telle équipe. Donc voilà, on se prépare bien cette semaine, malgré qu'elle soit assez courte, pour aller à Toulouse vendredi et essayer de faire la meilleure performance collective possible face à cette grande équipe. Ouais. Ouais, c'est un match particulier, mais c'est un super rendez-vous. Quand on est sportif de haut niveau, on a envie de jouer ces matchs-là avec beaucoup d'engagement, beaucoup d'intensité. On sait que devant, il va falloir être prêt parce que ben, ça va taper très fort, ça va aller très vite. Face à une grande équipe, ça va être presque du niveau international ce qu'on va affronter. Donc à nous de se préparer en conséquence. Parce que c'est dans la continuité un peu des deux matchs de Coupe d'Europe qu'on a eu à jouer. C'est encore une équipe de très haut niveau qu'on rencontre et on aura le Racing après à domicile qui sera du même calibre. Donc voilà, il faut qu'on soit comme on a été dans les deux matchs de Coupe d'Europe, même si on n'a pas eu de résultats au point de vue comptable, sur le contenu, sur l'état d'esprit, ça a été très positif sur les deux derniers matchs et il faut absolument avoir le même investissement, la même application contre Toulouse, c'est sûr. Mais bien sûr, on sait où on va, on sait où on met les pieds. Voilà, c'est à Toulousain, ils sortent d'une performance énorme dimanche, ils sont premiers, ils ont voilà, de l'avance au classement. Et ils ont perdu, ou ils ont eu des contre-performances pendant les doublons. Donc le 23 décembre, vendredi soir, il n'y a pas l'équipe de France qui joue, donc ça va être le grand stade Toulousain en face de nous. Donc, on sait, je répète, à quoi s'attendre, et ça va être très très compliqué, on le sait bien.